Bonjour à tous et bienvenue, je suis MDG de Normandie et bienvenue dans l'épisode 4 d'un nouveau mode LOL. Je sais, je ne suis pas actuellement sur League of Legends, je suis sur World of Warcraft, c'est juste pour vous montrer un petit truc. Et je voyais pas d'autre manière de l'expliquer que de la manière dont je vais faire. Si vous voulez, au départ de la série, je vous ai parlé du fait que j'étais un joueur de World of Warcraft et donc que je jouais la classe démoniste et en spé Spiritual Link, en spé SL comme on dit dans le jargon. Et donc je voulais vous expliquer rapidement par une séance de gameplay en quoi ça consistait et pour bien que vous saisissiez un petit peu le héros que je cherche. Dans League of Legends, j'aimerais un personnage qui se joue un peu, enfin pas exactement, hein, mais au plus proche de ce que fait par exemple mon démoniste sur World of Warcraft. Donc ça va durer quelques minutes, je mettrai un timer si vous voulez pas voir. Donc en quoi ça consiste? Donc Spiritual Link, donc ça consiste en fait à ce que 20% de, 20% des dégâts que je reçois soit infligé à mon familier, mais ça m'étonnerait de toute façon que cet aspect là existe dans League of Legends. Et surtout, je me nourris de la vie de mes ennemis. J'ai par exemple les trois sorts verts ici, donc le 2, le 4 et le 2, le 5 et le 6, qui sont des qui sont en fait des sortilèges pour aspirer la vie de mes ennemis. Ça c'est un truc que j'aimerais dans League of Legends, c'est vraiment avoir un drain de vie et assez poussé. Ensuite, j'ai également un sort de connexion qui me permet de convertir des points de vie en points de mana, de façon à ne jamais tomber à court de vie. Et puis j'ai toujours Et puis je peux toujours récupérer de la vie sur mes ennemis. Donc voilà un petit peu le gameplay que je joue sur World of Warcraft. Et j'aurais voulu trouver la même chose sur LoL. Donc si vous avez un héros qui permet notamment de éventuellement d'avoir un familier, mais ça m'étonnerait beaucoup parce que je pense pas que ça existe dans League of Legends, mais surtout un héros qui se fait la spécialité comme ça de se nourrir de façon abusée de la vie de ses ennemis et massivement, ça serait génial. Vous voyez par exemple là le sort siphon de vie, donc la main verte là qui est placée sur mon sort numéro 2, je l'inflige à de multiples personnages et toutes les secondes je me reçois 120 points de vie par personnage. J'absorbe 120 points de vie à chacun des personnages que j'ai contaminés. Voilà, ça c'est un petit, ça c'est le gameplay des démonistes Spiritual Link. Et voilà un petit peu le genre de héros que je cherche. Donc si vous connaissez un héros qui correspond à ces traits de caractère, n'hésitez pas. Notamment si le même héros pouvait avoir également donc la possibilité de transformer sa vie en mana. Ça serait également intéressant. Un familier, ce serait génial, mais je pense pas que ça existe dans LoL. Et surtout le drain de vie, quoi, quelque part. Alors, j'ai essayé. On m'a parlé de deux personnages. De Vladimir. Et de. Fincel. Un truc dans le genre Fincel. Machin. Et puis j'ai eu la chance de pouvoir essayer Fincel machin là, Fincel Float, je sais pas quoi là. Ça commence par un F, il y a que trois héros qui ont un nom qui commence par F apparemment. Donc vous voyez de qui je parle. J'ai essayé ce personnage là sur parce que voilà, j'ai eu l'occasion d'essayer le personnage. Et je n'ai pas pu essayer Vladimir encore, peut-être que je le ferai après le tournage de cette vidéo. On m'a dit que qu'il y avait un système de drain de vie comme ça, mais déjà avec Fincel machin, le drain de vie était
c'était toutes les 5 secondes, donc c'était un petit peu long à charger. Et donc ça m'embêtait plus qu'autre chose. Et ah oui, si le héros pouvait avoir en prime un aggro de groupe, ça serait génial. J'en ai un des aggros de groupe sur mon démoniste, même si je m'en sers très rarement. Mais j'aime bien sur LOL les attaques de zone. Voilà, chercher le nom exact. Les attaques de zone, je trouve ça super pas mal. Donc voilà. Bon, je fais juste, je finis avec le gameplay. C'était juste histoire de vous montrer un petit peu à quoi, enfin ce que je cherchais sur LOL. Je cherche une similitude avec mon démoniste de World of Warcraft. Et donc voilà. Je sais pas si j'ai bien été clair dans ma demande, mais voilà, donc n'hésitez pas à me proposer des héros qui répondraient à ces caractéristiques. Donc qui se nourrit de la vie de ses ennemis, qui peut éventuellement transformer sa vie en mana, qui posséderait un familier. Et c'est tout. C'est tout. Grosso merdo, ouais, c'est ça. Je me rends compte que je récupère pas le butin depuis tout à l'heure, si. Enfin bon. Voilà, c'était juste histoire, c'était juste une petite séance de gameplay histoire de vous montrer ce à quoi je vous attendais. Et puis ben, on va se retrouver sur LOL. Donc n'hésitez pas à me proposer un héros qui correspond à ces traits de gameplay. Je vous en serai très reconnaissant. On va se mettre à l'abri. Même si ici je peux me faire attaquer par par l'Alliance. Voilà. Bon ben. Sur le zoom de mon démoniste Full S2, je vous dis à tout de suite sur League of Legends. Ok, donc nous revoilà sur League of Legends. Alors, plusieurs jours plus tard après l'intro. Je n'ai pas pu tourner en fait le dimanche qui suivait le jour où j'ai tourné l'intro parce que qu'il arrivait un événement dans ma famille, voilà, j'ai ma cousine qui est née, donc voilà. Donc nous nous retrouvons malheureusement en plein milieu de semaine, donc je tourne actuellement en plein milieu de semaine. Vous aurez cet épisode le samedi 22, donc c'est ça samedi qui arrive là. Normalement, si tout se passe bien, si je peux monter cet épisode le plus rapidement possible et l'uploader le plus rapidement possible, vous l'aurez pour samedi. Donc voilà, excusez-moi, je suis pas très très en forme pour reprendre le tournage, mais voilà. Alors j'ai pris Nunu, on me l'a conseillé, j'ai discuté avec quelques joueurs et ils m'ont dit ouais tiens essaye Nunu peut-être qui correspondrait un petit peu. Alors dans le doute j'ai pas vu s'il avait de la mana, c'est ça le problème, donc j'ai pensé qu'il avait de la mana, donc j'ai pris le sort des 40% de mana en plus là, c'est l'équivalent du sort de soin mais avec la mana. Je sais pas du tout si ça va être utile ou pas, mais voilà. Je tourne actuellement dans mon appartement étudiant, donc je suis désolé mais il y a mon appartement est parfois assez bruyant. Je sais pas si vous allez entendre par exemple le frigo qui s'enclenche de temps en temps ou des trucs comme ça. Donc voilà, voilà. Donc oui, donc évidemment je ne joue pas beaucoup à League of Legends, mais je pense quand même pouvoir évoluer assez vite, car l'avantage de tourner des vidéos, c'est que je peux revoir en fait mes games, et donc voir un petit peu ce qui ne va pas, et par moi-même me dire tiens, là j'aurais dû faire ça, ceci. Donc je joue moins, mais j'ai plus d'analyse dans mon jeu, donc je pense que ça compense. Voilà. Bon, la game devrait pas tarder à commencer. Donc on a Ashani, Orianna, il y a
Yasuo. Yasuo, je crois que c'est un nouveau personnage. Ils l'ont mis en avant sur le l'écran de connexion. Donc c'est que ça doit être un nouveau personnage. Je sais pas ce qu'il vaut. Ok, on est parti. Alors, les conseillers, toujours. On est d'accord. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Éclair de glace, ça, ça a l'air d'être un. Mettons-nous en route. On va aller au mid. On va voir ce que ça donne. Il fait froid ici. On va voir ce que ça donne. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. Ne mettez pas le Yeti en colère. Voilà, donc j'espère que vous allez bien. Donc normalement, si tout se passe bien, j'aurai mis une intro donc qui vous expliquera ce que j'attends de comment ce que j'attends au niveau héros. Attendez, quand je me mette à vert. Des sbires sont apparus. Ok. J'ai même pas vu le premier sort, résultat véracité. New York donne au Yeti d'avaler le sbire. Le monstre bizarre, j'ai 80 de dégâts brutaux. Ah, c'est pour ça qu'on me l'avait conseillé. Voracité. D'accord, c'est un petit peu de régène aussi. Ah bah je crois qu'il prend le hal. Ok. Un ennemi a été tué. Wake up, wake up, wake up. Un allié a été tué. On va prendre tout ce qui est truc de vie. J'aurais dû appuyer sur mon sort de. On essaye un peu de jungle, tiens, pour voir. Ne mettez pas le Yeti en colère. Vous n'avez pas envie de voir le Yeti en colère. J'ai augmenté un peu le son de mon jeu parce que. Voilà, parce que j'entends pas grand chose. Normalement, ça devrait pas changer. Alors ici normalement c'est le dragon, donc ça, à ce que j'ai compris ça va pas le faire. Vous ne pouvez pas m'attraper.
Ok, bon. Un allié a été tué. Si ça peut le faire, si je fais ça. En fait. Ne mettez pas le Yeti en colère. Vous n'avez pas envie de voir le Yeti en colère. Bon, j'aime pas du tout par contre la voix du personnage. Hein. Là faut faire attention parce qu'il peut nous bloquer et en plus il m'avait bloqué sous la tour donc ça risquait et donc si la me targetait c'était foutu. Ok bon on va essayer un autre, notre petit camp. Alors ce que j'ai compris ici là un ennemi a été tué. Ici, ici c'est le raid, d'accord, ok, donc en fait tout ça ce sont les petits camps là. Ne mettez pas le Yeti en colère. Vous n'avez pas envie de voir le Yeti en colère. On va voir ce que ça donne. Ok d'accord. Bon donc je suis un petit peu bluffé mais... Donc je sais que oui, donc ça permet d'avoir quelques petits buffs. On va voir ce que ça donne. Ouais je dis beaucoup ça là en ce moment, je sais pas pourquoi. Interruption.
tarder à level up. Ouais non là c'est même pas la peine. Ok. Donc j'ai essayé de maxer le la spectra là. De refaire ce bot là, j'ai pas vu son... Oh Jax, oh putain. Il est chiant ce héros. C'était celui-là qui nous avait mis une misère en PVP je crois. Votre équipe a détruit une tourelle. Faudrait que je vois qu'est-ce que ça me dit au sujet de Jax, quel est son point faible, quel... J'ai téléchargé une application sur mon téléphone qui me permet d'avoir des stats de sur enfin, des récapitulatifs sur chacun des héros de League of Legends. Mais il y en a beaucoup, donc évidemment j'ai pas eu le temps de tout lire. Ne mettez pas le Yeti en colère. Vous n'avez pas envie de voir le Yeti en colère. Ok, ça sent la mauvaise idée. Ça. Vous ne pouvez pas m'attraper. Un allié a été tué. Un ennemi a été tué. Ah oui c'est ça Jax, je crois que plus il attaque plus c'est balèze. Je crois que c'est un truc dans le genre. On va débloquer la carte de torse spéciale, je sais pas ce que c'est. On va voir. Ne mettez pas le Yeti en colère. Vous n'avez pas envie de voir le Yeti en colère. Un allié a été tué. D'accord, ok. Faut être en plein milieu du truc en fait. Un allié a été tué. En une seule poussée. Doublé et donc c'est la touche 3, d'accord, ok, je peux l'attendre facilement. Mettons-nous en route.
ennemi. Ne mettez pas le Yeti en colère. Vous n'avez pas envie de voir le Yeti en colère. Il fait froid ici. Meurtre en série ennemi. D'accord, donc 100 secondes de récup pour le sort, j'avais pas vu. Par contre, c'est balèze. Ça a l'air balèze, on va le dire. Ah, d'accord, ok, ouais, c'est le dragon ici. Un allié a été tué. Le dragon, à ce que j'ai compris, ramène essentiellement c'est de la vie. Enfin, c'est non, c'est de l'argent. Vous ne pouvez pas m'attraper. Un ennemi a été tué. Pour faire une attaque, ralentisse, qui inflige des dégâts sur la durée. Bah écoute. Votre équipe a détruit une tourelle. Je récupère 250 PV à chaque... Okay. Ah d'accord, ok, il y a une tour qui est tombée. On va essayer de pousser au... Ça avait bien marché en PVP, mais bon, mais j'ai pas le même héros, c'est pas les mêmes... En une seule poussée. Ça me gonfle. Un allié a été tué. Ne mettez pas le feu au top pour aller voir ce que ça donne. Un allié a été tué. Non, bah ce héros, si son sort A là, il est sympa, mais... Mais le personnage en lui-même m'énerve. Bah ok, allez, on va toucher. Votre tourelle a été détruite. Oh merde. Ouais, bah ça sent pas bon. J'ai vu que c'était plus un buff apparemment, mais je sais pas si ça va, si ça peut m'aider. Interruption. Ne mettez pas le Yeti en colère. Vous n'avez pas envie de voir le Yeti en colère. Doublé ennemi. Meurtre en série ennemi. Mettons-nous
Allez. Putain, mais c'est quoi ce DPS, quoi? Vous ne pouvez pas m'attraper. Les mecs, en une seconde, ils dérouillent la moitié de ma vie, quoi. C'est des bots, hein. Pareil, je me suis pas servi de ma bombe, enfin mes potions. Yeti connaît le chemin. Un allié a été tué. Je me souviens plus, qu'est-ce qu'ils font eux en fait les... Meurtre en série. Ok, en fait ici c'est juste pour un peu d'XP en fait. Les bottes. Interruption. Ok, j'ai maxé mon sort A, on va voir ce que ça donne. Allez, là, bon. La knife, c'est par derrière. Vous avez été tué. J'ai pas compris pourquoi j'ai pas pu utiliser mon sort A là. Ah, j'avais le curseur à chaque fois que je cliquais, que dalle. Comment ça se fait? Il y a des choses que je comprends toujours pas dans le jeu. Et j'ai horreur quand c'est bordel comme ça. Quand ça tire de partout, qu'il y a des sorts lancés de partout, j'ai horreur de ça. Oh bah je joue pas les pieds au middle hein. Qu'est-ce qu'il y a? Des merdes. Non c'est chiant, y a qu'un seul sort de zone et il met 100 secondes à se régénérer. Non non, j'aime pas du tout ce héros. Le fait qu'il aspire de la vie, ça me plaît parce que c'est ce que je cherche, mais il a... Mais mis à part ça, il me plaît pas du tout. Et on va plutôt aller au top. Je veux qu'au top, il se passe des choses. A été tué.
Oh putain, quand je suis en A, je peux... Bah non, bon, j'allais dire. Le Yeti connaît le chemin. Non, en fait, c'est parce que H, à chaque fois, elle tue avant moi. Ok, normal. Votre équipe a détruit une tourelle. Mon équipe. Moi je veux pas le jouer. Un allié a été tué. Un ennemi. Je vais retenter middle parce que les autres sont sur le côté, il n'y a personne au mid. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Non mais sérieux quoi, bah Jax c'est même pas la fin, je crois. Il fait froid ici. Votre équipe a détruit une tourelle. Y a pas aller level 9 pour que j'XP, donc je vais aller faire un petit peu de jungle. Sur R sans le faire respawn. Pas comme tout à l'heure. Le Yeti connaît le chemin. Un allié a été tué. Invincible. Doublé. Un ennemi a été tué. Ouais, ici c'est le dragon. Je ne pourrais pas me servir de pas sur les héros et adverses. Est-ce que pas... Est-ce qu'à chaque fois que j'essaie d'utiliser A sur eux, ça marche pas? Un allié a été tué. Doublé. Ouais non, bah, j'avais mal lu. Avaler le sbire d'en face. Ou le monstre visé. D'accord, donc en fait je peux pas utiliser A sur mes adversaires. Ok, donc non, donc ce personnage ne correspond pas du tout à ce que je cherche, parce que si je peux me nourrir que des sbires, ça ne m'arrange pas. J'aimerais vraiment me nourrir de la vie de mes ennemis, c'est-à-dire les héros adverses. Donc en gros, ce personnage-là, il est bien pour jungle, quoi.
Non, alors ce héros-là, Nunu. Excusez-moi, coupure de fraps. Donc ouais, non, donc Nunu, non, c'est non. C'est non. Level... Toujours level 5. Je suis toujours level 5. Donc... J'ai pas le niveau. J'ai toujours pas le niveau hein, pour... comment, j'ai toujours pas le niveau de toute façon pour faire du réel PVP. On va se faire une deuxième. Mon cœur et mon épée appartiennent à Demacia. On va essayer Garen, parce que j'avais fait une toute petite partie avec lui, que j'avais dû abandonner, si vous vous souvenez, au tout début de la série. Et j'avais pas réellement eu l'occasion de l'essayer, donc je vais l'essayer. Sauf que lui, il a pas besoin de ça, donc... Second game. Excusez-moi, mon frappe s'est merdé, donc je voulais juste relancer le record pour que vous puissiez voir les héros que j'ai en face de moi. Je sais pas pourquoi je le sens mal. Bon, j'en sais rien, je les connais pas les héros. Ouais. Donc raison de plus pour que je me sente mal. Donc voilà, donc de notre côté on a Lux. Alors Lux, ouais, il y en a certains dans ma classe qui m'ont dit qu'il a été pas mal comme héros. Comme comme champion. On dit pas des héros, on dit des champions. Synacolyte, connais pas. Chêne, ouais, mais non. H, évidemment, on la présente plus. Et puis Garen, on va bien voir ce que ça donne. Ok. J'espère que j'ai mieux m'en tirer avec cette seconde game qu'avec la première. Non, franchement, Nunu, non, il m'a déçu comme personnage. Ok, alors comme d'habitude, on va prendre les trucs conseillés. Ça, puis on va... Alors oui, alors c'était quoi déjà? On va prendre ça, c'est un sort d'attaque, c'est un sort de zone. Bienvenue dans la faille de l'invocateur. Et pareil, on va... Alors on va commencer par jungle. On va commencer par jungle, comme ça on va être peinard, on va pouvoir exper un petit peu de notre côté. Sans forcément être emmerdé par les héros ennemis.
pour protéger nos terres. 30 secondes avant l'apparition de Sbire. 30 secondes, ok. Et dans 30 secondes, je saute là-dessus. Donc ça n'apparaît que quand les sbires... Gardez foi en vous-même. D'accord, et apparemment notre or ne commence pas, enfin ne... n'augmente pas tant que le... Ce monde a besoin d'espoir. Des sbires sont apparus. Ok, pas ici encore. Ouais non, apparemment ça va mettre un petit peu de temps, ça met un peu de temps à apparaître. Donc on va bien voir. Je suis prêt. Mais on va jungle un petit peu parce que j'ai envie de découvrir ça aussi, le jungle. J'ai pas eu le temps de vraiment d'essayer tous les camps et... Je combattrai aussi longtemps que je tiendrai vie. Soyez audacieux, soyez juste. J'ai eu un target, juste à côté. Ok, d'accord, j'ai pas besoin de... Ah oui, c'est bien ça. Ah, ça du coup avec Garen, c'est que j'ai pas besoin de... Comment, de fixer des ennemis, donc Premier sang. Oh. Ah dommage, il me l'a compté en assist, c'est pas moi qui l'ai tué. N'oubliez là, jamais. Je target la... Ok, donc tiens, c'est pareil. Je vais mener la charge. Ne craignez rien, j'arrive. Le même héros que dans World of Warcraft parce que le jeu est quand même assez différent de... La peur est le premier de nombreux ennemis. Mais bon, quand même, j'aimerais essayer. J'essaierai à l'occasion. Notre courage ne faillira jamais. Ok, la tour là. J'apporte de la justice. Je jungle un petit peu, on va bien voir ce que c'est. En avant ! Un ennemi a été tué. La victoire nous attend. En avant.
d'un seul homme. Un ennemi a été tué. C'est quoi ma compétence spéciale? Ah oui, c'est de la régène. Ah bah oui, c'est de la régène rapide en plus. Faut juste que je me mette à l'abri puis je vais. Meurtre en série. Pas de la régène rapide. Disons de la régène tolérable. Carnage. Nos actes forgent notre avenir. Marche comme un seul homme. J'active qu'une fois par vie, quoi. Meurtre en série. Un allié a été tué. Nous faisons ce qui est juste. Jamais. Invincible. Vous avez été tué. Oh, j'adore. Dans son dernier soupir, il soupire. Dans son dernier soupir, il fait Demacia. Vraiment, le mec. La peur. C'est bon, le premier de nombreux ennemis. Pas bon. C'est pas bon. C'est noble, hein. C'est un peu héros. Gardez foi en vous-même. Un ennemi. Ok, bah d'accord. Ouais, on m'a donné ce raccourci clavier là, mais je sais pas, je savais pas s'il marchait, si on était loin du. Nous combattons pour ce. Vous avez été tué.
mort stupide là, mais vraiment stupide. Je le conçois. Soyez audacieux. Soyez juste. Nous sommes. Ah ouais, il y a une téléportation aussi pour que je revienne assez rapidement en jeu. Non allez, écoutez, je suis que level 9. Il faut absolument que je up mon level, donc on va. Votre équipe a détruit une tourelle. On va les jungle un petit peu parce que là c'est ridicule. Quand je vois que les autres sont level 9, on va. J'ai pas envie de me faire déboîter le caisson. Légendaire. D'accord, ok. Ah oui, non, c'est minable, Z, en fait. Ça dure que quelques dizaines de secondes. Ouais, juste me régène un petit peu. Un allié a été tué. A besoin d'espoir. Je suis prêt. Un allié a été tué. Oh, quel con. Oh putain, je crois pas. Domination. J'ai perdu de l'argent à rien. Légendaire. Un ennemi a été tué. On va aller voir un petit peu par là, il y a pratiquement personne. Je vais. Faut que j'XP un petit peu, donc on va aller au bas. Pas sûr que ce soit un bon plan. J'ai H avec moi, elle va piquer tout le monde. Je combattrai aussi longtemps que je tiendrai. En avant. Un ennemi a été tué. Je ne trahirai pas. Non, je suis vraiment pas en forme aujourd'hui. Ça va vraiment pas. Un allié a été tué. Donc oui, donc concernant l'idée de live, il est possible que comment donc elle est le premier de nombreux ennemis. Je serais sur tu. Vivez la mort.
à peine de... de sortir mon... comment... Oula, j'ai un petit fil. On va aller voir ce que c'est que le... J'apporte la justice. Celui-là. Divin. Tiens, on va voir un petit peu ce que ça. D'accord, ok, ça utilise que contre les champions. C'est là qu'on va se faire. Je ne trahirai pas. Ok. N'oubliez jamais pourquoi nous combattons. Votre équipe a détruit une tourelle. Je suis dans le champion milieu des monstres. Bon. J'aurais dû prendre des potions. Pas des potions de... légendaire. Parce que là, je vais... Un ennemi a été tué. Pour protéger nos terres. Est-ce que j'appuie sur ça sans faire ce que aïe aïe aïe. Pas la vie de cet ennemi, hein. Un ennemi a été tué. Montrez-leur la puissance de Demacia. En avant. Votre équipe a détruit une tourelle. Combattez la face. Légendaire. Bon, laisse tomber. Soyez audacieux. Légendaire. Soyez juste. Un allié a été tué. Au nom du roi. Oh. Par la loi ou par l'épée.
nos actes forgent notre avenir. Demacia marche comme un seul homme. J'adore hein, les bots qui te traversent 3 km, j'adore. Votre équipe a détruit une tourelle. Notre courage ne faillira jamais. Bref, j'ai un gros retard. Bon, ce qui est chiant aussi, c'est que voilà, c'est ça quoi, c'est le... Interruption. Notre courage ne faillira jamais. Hop, légendaire. Au nom du roi. Légendaire. Bon, moi je vise les sbires. Je m'occupe des sbires. N'oubliez jamais pourquoi nous combattons. Un ennemi a été tué. Taillou. Ferme ta gueule, répondit l'écho. En avant. Votre équipe a détruit une tourelle. Un ennemi a été tué. Un ennemi a été tué. Je ne faillirai pas. Légendaire. Montrez-leur la puissance de Demacia. Un ennemi a été tué. Votre équipe a détruit un inhibiteur. Pour Demacia.
nos actes forgent notre avenir. Mais bon, c'est toujours pas grâce à moi. Ça change pas. La peur est le premier de nos ennemis. Ce monde a besoin d'espoir. Ah, génial. Je combattrai aussi longtemps que je tiendrai. Je ne faillirai pas, hein. J'apporte la justice. Trois quarts de ma vie. Dégagé, j'ai rien compris. Un ennemi a été tué. T'as les autres de mon équipe, ils sont level 16 doublé. Et 15. Moi je suis level 11. Putain quoi. Comment ça se fait que j'ai du mal à XP comme ça? C'est une faculté de Garen? Votre équipe a détruit une tourelle. Nous combattons pour ceux qui ne le peuvent pas. Votre équipe a détruit une tourelle. Voilà, ça c'est pas mal. Toucher le Nexus. Ah là 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 là, je vous jure. On va juste c'est rapidement. Attendez, je regarde mes stats un petit peu. Ok, toujours level 5. Je regarde un petit peu où en est l'état de mon disque dur si on se refait une game. Attendez, bah c'est simple. Je regarde ici. On peut pas. Donc mon disque dur est plein. Bah écoutez, sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu, abonnez-vous si vous le désirez. Alors, je vais monter jusqu'au level 6 sans vous. Je vais faire des games en PvE, comme ça. Je vais jouer sans vous, histoire d'avancer un petit peu, parce que, voilà, vous avez vu à peu près mon niveau actuel, vous verrez mon niveau après, donc c'est les quelques games que je vais faire hors caméra. Je vous reprendrai certainement, je serai soit niveau 6, soit niveau 7. 6 ou 7. Parce que j'ai envie de jouer, mais mon disque dur me le permet pas. donc voilà, donc sur ce, bah, j'espère que cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le désirez. Et je vous dis à bientôt.